Donc, on va entamer la session concernant l'interprétation, quelques cas cliniques, l'interprétation des images. Est-ce que Loïc et Xavier sont avec moi? Je suis là. Oui, bonjour. Parfait. Alors, on va commencer par quelques diapos et puis on va ensuite donc questionner les discutants qui sont avec nous, donc Jean-François Hermieux, Renaud Terrac, Loïc Lenormand, Michel Cosson, Xavier Defieux, Marianne de Sèze, Jean-Marc Seller, Benoît Perronnet et Guillaume Meurette. Et je compte sur vous pour disperser la parole. Alors, comment j'interprète cette image? Un petit point de contexte. Donc, c'est une femme de 37 ans qui n'a pas d'antécédent particulier et qui vient pour consulter parce qu'elle a une incontinence qui survient au repos, mais également à l'effort. On ne retrouve pas de symptômes d'urgenturie, enfin, d'hyperactivité vésicale clinique. Elle rapporte quand même une quantité importante avec notamment trois protections par jour. Vous l'examinez, l'examen neuropérinéal est normal, il n'y a pas de fuite à l'atout, pas d'hypermobilité, pas de trouble de la statique, elle a un examen neurologique normal. Et puis, dans le cadre de cette incontinence, on va lui faire une UCRM que vous voyez ici. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être? Loïc, je vous laisse distribuer la parole. Bien, alors Jean-François, peut-être dans un premier temps, qu'est-ce que t'inspire cette radio? Jean-François, t'es par là, non? Ah, alors on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Si Jean-François est pas là, bon. Benoît, parce que là c'est quand même un neurologue, c'est une cystographie mictionnelle. Je pense que c'est un neurologue qu'il faut avoir. J'en veux un peu à Jean-François hein, de ne pas être là. Je redoutais que ça retombe sur moi. Eh bien, je suis assez embêté par Moi, j'ai trouvé. Eh bien, celui qui s'est manifesté, je suis ravi de lui donner la parole. Écoutez, franchement, j'ai un peu honte, mais je n'ai pas de remarques, pas d'idées, pas grand-chose à dire. Qu'on peut savoir si elle a accouché, cette dame. J'ai pas bien entendu, Christian. Oui, elle a eu deux enfants. On peut dire qu'elle a eu deux Ah enfants oui. par voie basse. Moi, j'ai une question quand même à poser. C'est pourquoi on lui a fait cet examen? Je me Qu'est-ce permets de qu'on. répondre? On est dans le cadre d'une incontinence urinaire insensible. Ouais. On va chercher d'autres éléments. On en parlera plus en détail dans la suite des cas cliniques. Je ne voudrais pas D'accord. Ouais. donner trop de réponses à Ça y l'avance. est, je crois que je viens de voir ce qu'on Elle voulait voir. urine dans son vagin. Oui, c'est ça, Voilà. oui. Oui, ça y est, j'y suis. Ça Je y est, ça y est. pense. Je Par pense, contre, oui. l'étouffage vaginal qui est facilité quand on a encore un hymen en place, c'est pour ça que je posais la question, mais bon. Ouais. D'accord. Bah, C'est effectivement, ça se une belle confirme radio. ici, hein. Une miction vaginale. D'accord. On passe donc au milieu de la miction vaginale, elle est décrite pas mal chez les enfants, elle est moins décrite chez les adultes. Il y a quand même une publication qui la décrit chez des femmes avec des fuites insensibles, notamment quand elles se lèvent des toilettes. Et donc, on leur apprend le drainage vaginal post-mictionnel. Elles peuvent aussi mettre des tampons absorbants intravaginaux comme des tampons lors des menstruations et qui apportent un bénéfice. Et le gold standard pour le diagnostiquer, c'est bien l'UCRM. Oui. Et juste le drainage vaginal, est-ce que tu peux l'élucider en deux phrases, peut-être, Camille, pour les Oui, en deux non-initiés? phrases, donc on demande aux patientes d'avoir une antéflexion vraiment une antéflexion du tronc au moment où elles ont fini la Oui, c'est miction. Et si ça ne oui. suffit pas, en fait, de mettre un doigt dans le vagin et d'abaisser la paroi postérieure du vagin pour en fait drainer le vagin. On avance? Dans mon expérience, moi, c'est surtout chez les jeunes filles qu'on trouve ce genre de problème. Oui. Beaucoup plus rare chez les femmes plus âgées et surtout quand elles ont déjà eu une activité sexuelle et encore plus des enfants. Et c'est souvent, enfin, chez les enfants, c'est souvent des enfants et des filles qui ont tendance à uriner avec les cuisses serrées. Alors, ça se voit aussi chez les femmes très âgées qui ont un lichen scléroatrophique qui a un petit peu obstrué, voire ça peut l'obstruer complètement l'entrée du vagin et même devant l'urètre, et où elles urinent vraiment dans le vagin avant que ça s'évacue par le tout petit pertuis laissé par la synéchie provoquée par le lichen. Donc, ça se voit aussi chez les très âgés.
Écoutez, je reçois des rappels à l'ordre de M. Marenco. On aura ensuite des cas cliniques, donc il faut qu'on avance sur les images. donc, pour peut-être M. Saucine et Benoît, cette image, c'est un homme, 57 ans, il a des douleurs permictionnelles et il rapporte également des fuites postmictionnelles insensibles. Le bilan urologique est négatif, il n'a pas de troubles génitosexuels ou anorectaux associés. L'examen neuropérinal est normal. Encore une fois, une UCRM. Loïc, Benoît. Un double urètre incomplet. Oui. Syringocèle des glandes de Cooper. Tout à fait, Benoît. On oui. est Comme rapporté sur... par l'équipe de Gérard Amarenco dans Progrès en urologie en 2019. Je n'ai pas de mérite, j'en ai eu un. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps, donc je me suis tout retapé la littérature. J'étais tellement content de l'avoir trouvé. Voilà. Oui, mais moi, j'avais publié un cas clinique sur un double urètre et c'est exactement comme ça. Quoi. Donc, bon. Ah, et comment vous l'avez pris en charge? Bah, par incision endoscopique de la paroi qui séparait les deux urètres. D'accord. Donc, c'est le même traitement au final, parce que si un gosselle, c'est pareil, on peut proposer une incision. Je pense que ça dépend le nom qu'on lui donne, mais enfin, c'est la même chose. Quoi. C'est un canal parallèle à l'urètre principal. Et puis, qui se vide. Il se vide en post-missionnel et peut entraîner ses douleurs. Alors, concernant les images, toujours, un homme de 22 ans, en spina, qui a une neurovessie, qui est aux autosondages depuis l'enfance. Il a eu une escarre sacrée qui a nécessité et le port d'une sonde à demeure et un décubitus ventral. Et à l'ablation de la sonde à demeure, des difficultés au sondage. Et vous retrouvez cette image. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être les urologues? On est beaucoup sollicité. Hein. J'espère qu'après, oui. Vous passez aux collègues. Hein. Loïc, c'est moi qui serai le premier. Moi, je veux bien. Enfin, il y a manifestement, de toute façon, une voire deux sténoses. Puisque là, on a quand même manifestement une dilatation de l'urètre bulbaire et puis là, un truc qui est filiforme. Donc, à mon avis, il y a une sténose et peut-être juste au niveau de l'urètre membraneux également. Parce qu'on voit qu'il y a un reflux en plus intraprostatique. Donc, ça veut dire que manifestement, ça fonctionne à haute pression, cette affaire. Voilà ce que j'en dirais. D'accord, bah, tout à fait. Donc, cette sténose et puis cette urétrocèle en voilà. dessous, entre les deux sténoses. Alors, encore une autre image. Mais comment elle a été prise en charge? Comment elle a été prise en charge, cette urétrocèle? Qu'est-ce qui a été fait, là? Il faut quand même qu'on nous dise, là. On est sur notre fin, là. Alors... j'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps pour les cas cliniques ensuite. C'est pour ça que j'avance sur l'interprétation des images. On ne sait pas. J'ai pas très bien entendu. C'est un patient qui a été pris en charge par les urologues, qui a été dilaté. Donc, une image peut-être pour... Alors, Guillaume Meret n'est peut-être pas là, mais alors, du coup, pour les gynécologues, peut-être, c'est une patiente de 50 ans qui est G3P2, qui rapporte une dyskésie anorectale, une sensation de vidange rectale incomplète. Une défécographie, on retrouve cette image. Alors, Charlotte Després aussi, j'ai vu qu'elle était présente. Ah, Guillaume Meret s'est connecté, je crois. Ah, Guillaume. Guillaume Meret, Charlotte Després. Une idée? Peut-être les gynécologues, vous avez l'habitude aussi de ces images? Elle a une intussusception recto-anale? Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'était Sylvie Bilcock, hein, je crois. C'est ça qui a parlé. Tout à fait, on est sur un prolapsus intrarectal. Intrarectal avec cette intussusception qui atteint la marge anale. Alors, des courbes urodynamiques, vous avez donc cette femme qui a 48 ans, qui a un syndrome clinique d'hyperactivité vésicale depuis 10 ans et qui s'est aggravée de manière progressive. Elle est maintenant très clairement gênée, elle rapporte une polacurie, elle n'a pas de dysurie, pas de rétention. Le premier médecin qui l'a vu a essayé les anticholinergiques sans bénéfice. Elle a une endoscopie qui est normale. Comment est-ce que vous interprétez cette courbe d'urodynamique? Jean-François Hermieux, Loïc Lenormand peut-être? Voilà, un trouble de la compliance.
Alors, il nous manque quand même des données un petit peu dans cette courbe-là, parce que je vois qu'il y a juste un B1, c'est tout, mais on ne sait pas ce qui se passe pendant la phase d'élévation de pression qui est là, sur le plan de la sensibilité. A priori, on a quand même une augmentation de pression qui est plutôt régulière. Ça ressemble plutôt à un défaut de compliance, comme le disait Jean-François, mais on ne peut jamais l'affirmer. D'accord. Sur la vue de cette courbe. Parce qu'on a en plus, bon, alors il y a eu un EMG qui a été fait et on a une courbe qui semble montrer donc un recrutement particulièrement important, ce qui pourrait aussi signifier une dyssynergie vésico-sphinctérienne. Donc il faut voir un petit peu quel est le contexte sur le plan neurologique. Voilà. Contexte neurologique, c'est vrai qu'effectivement on peut se poser la question d'un trouble de la compliance. Peut-être que ce recrutement EMG est lié aux besoins qui se majorent. Et puis, on peut se poser la question quand même, comme au début, on a une pente qui est plutôt droite, puis ensuite une augmentation de manière secondaire, si on n'est pas face à une hypertonie de remplissage et donc un phénomène d'élasticité retardée. De toute façon, refaire la systémanométrie avec des vitesses plus lentes. Moi, j'aurais une question à poser. Je pensais qu'on différenciait l'hypertonie de l'hyperactivité en arrêtant le remplissage. Et quand c'est une hypertonie, la montée s'arrête. Alors que si on a une hyperactivité, donc une contraction de vessie, on peut avoir une courbe qui continue à monter. Tout à fait. On voit d'ailleurs que ça redescend à l'arrêt du remplissage, ce qui est en faveur, effectivement, plutôt d'une hypertonie que d'une hyperactivité. Ouais. Sauf qu'on n'a pas la démimétrie en parallèle, parce qu'on ne sait pas si elle a uriné, en fait, quand elle était, ou si elle a eu des fuites à 264 millilitres. Parce que sur un trouble de la compliance, alors qu'en plus on a eu une activité sphinctérienne à s'est arrêtée juste avant la fin du remplissage, ça se trouve elle a eu une fuite ou elle a uriné après, et c'est pour ça que la pression diminue. Et ça, c'est un élément qui nous manque. Enfin, on peut comprendre qu'avec ces courbes, les anticholinergiques n'aient pas été hyper efficaces. Ça, c'est sûr. Alors, une nouvelle courbe d'urodynamique. Pardon. Une femme de 38 ans qui a une hyperactivité vésicale depuis 3 ans, un premier essai d'anticholinergique sans efficacité, et on lui a demandé ce bilan urodynamique. Qu'est-ce que vous pensez de cette courbe, tout en sachant qu'il y a bien la fin de miction qui est ici, puis ensuite… Elle a une contraction post-mictionnelle, c'est ça ? Tout à fait. C'est assez fréquent, hein. C'est assez fréquent et c'est difficile de lui donner une explication parce que bon, moi je trouve que ça permet au moins de dire que la contractilité du détruseur est particulièrement importante chez cette femme. Donc il y a de grandes chances quand même qu'elle ait bien une hyperactivité détrusorienne. Mais voilà, c'est un peu tout ce que ça veut dire. Un espèce de stop test en fait. C'est une pression isométrique en fait. Hein. Exactement, une pression isométrique. Ok, donc j'avance. Une nouvelle courbe d'urodynamique. Oula. Une patiente 28 ans, sportive, pas d'antécédent obstétricaux, qui vient vous voir pour des infections urinaires basses à répétition. Et dans le cadre du bilan urodynamique, vous lui faites cette profilométrie. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces... Il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle. C'est 200. On a 200, donc elle a... Ça veut dire qu'on a... quarantaine. C'est combien c'est 70 par... C'est combien 40. Elle a 70 cm d'eau de pression urétrale de clôture à peu près. Ouais, oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais comment est-ce que vous interprétez ces petites variations de pression? C'est du pouls urétral, non? Tout à fait. On est sur une pulsatilité urétrale qui a été décrite il y a des années, effectivement, et qui serait un des paramètres de la compétence, enfin de la résistance à l'effort, et donc le paramètre vasculaire qui jouerait dans la compétence, enfin dans la résistance à l'effort. C'est 30% de la pression urétrale, le complexe vasculaire. Bon, toutes les jeunes femmes ont des pouls urétro, hein. Le fait, effectivement, en général, de retrouver un pouls est plutôt un facteur pour se dire que la pression de clôture est tout à fait normale et qu'on a un peu de problème de continence à l'effort. D'incontinence. Alors justement, quel était l'intérêt de faire une profilométrie, Edouard Saint, chez une femme qui est sportive et qui a des infections urinaires récidives ? Aucune. Aucune.
On est d'accord. Mettre un contact, ça n'a rien à voir. Donner une nouvelle infection à la suite de l'examen. Un test. Ouais. C'est une expérimentation. Alors, une nouvelle courbe urodynamique avec une femme de 33 ans qui a une incontinence urinaire à l'effort, une petite dysurie, une notion de sténose urétrale et qui a un bilan urodynamique préopératoire sur lequel on retrouve cet aspect de courbe. C'est une histoire un peu de chasse. Je tiens à dire qu'on cherche à mettre les gens en difficulté. Une femme de 33 ans sans antécédent qui a une sténose urétrale, déjà, c'est un truc bizarre. Hein. Monsieur Amarenko propose un opinel pour celui qui arrive à trouver. C'est un spinard. Bah, ça fait très neurologique hein, quand on voit effectivement cette hyperactivité dès le début de remplissage. Avec, si j'en vois l'échelle, ce sont des fortes contractions, hein, puisque on est à quasiment à 100 cm d'eau, là, c'est ça hein. Oui, ça peut monter jusqu'à 100 cm d'eau. Ouais. Ouais. Ça fait très neuro, hein, de toute façon, cette affaire-là. Dans Loïc, ça ne te surprend pas que ça apparaisse d'emblée. Bah, ou alors, c'est un artefact d'examen. Mais. Un euro parce que ça se calme à la fin. Ah ouais. Mmh. Écoutez, je vois quelqu'un qui. Ah, c'est une sonde urodynamique qui était dans l'urtère. Tout à fait. Une sonde urodynamique qui est montée dans l'urtère. Ces courbes ne nous intéressent pas. Vous avez la publication qui est juste là. Alors, je trouve ça quand même assez curieux, cet aspect quand même, parce que si la sonde urodynamique est dans l'urtère, théoriquement, on ne devrait pas avoir des ondes comme ça de forte pression. Voilà. C'est le système qui se remplit, qui a défaut de compliance, puis qui se vide comme ça brutalement, ce qui est un petit peu bizarre. On aurait plutôt des pressions élevées quasiment en permanence. Hein. Ouais. Et puis des douleurs rénales. Je n'ai pas plus de détails, non ? On va passer à un cas clinique. Pour le coup, on aura un peu plus de temps de discussion. Donc, comment on traite une femme de 53 ans qui a deux enfants, ménopausée, qui est sportive, qui est institutrice. Et depuis 6 ans, elle note l'apparition d'un syndrome clinique d'hyperactivité vésicale avec une polacurie, un délai intermissionnel d'1h30, un délai de sécurité qui est court après la survenue d'urgenturie et des épisodes d'incontinence urinaire à raison de 4 fois par semaine sur urgenturie. Pas d'incontinence urinaire à l'effort rapporté. Le catalogue mictionnel, on retrouve cette polacurie sans hyperdurèse. La cystoscopie est normale. Elle a essayé la rééducation, l'urostime, les anticholinergiques seuls et en association, le mirabegron, qui n'ont pas apporté de bénéfices. On est dans le cadre du coup d'une hyperactivité vésicale idiopathique réfractaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe au traitement de troisième ligne ? Est-ce qu'on fait plus d'examens complémentaires ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui veut intervenir là-dessus ? Moi, personnellement, je ferais de toute façon un bilan urodynamique parce que quand on est en échec comme ça de plusieurs traitements, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, si on suit les recommandations et tout ce que vous pouvez retrouver dans le rapport que vous avez dû probablement recevoir avec votre programme urologie favori et que vous attendez avec impatience tous les mois, effectivement, en fait, il fallait, à mon avis, au moins faire une débimétrie et RPM. Si elle a moindre doute, effectivement, faire un bilan urodynamique, mais une urodynamique n'est pas forcément obligatoire dans ces cas-là. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Après, normalement, pour passer, quand on regarde l'ensemble des recommandations que vous publiez aujourd'hui, pour passer d'un traitement de deuxième à un traitement de troisième ligne, en tout cas comme on l'a interprété ici, il n'y a pas besoin de faire d'examen complémentaire particulier. Le seul cas un peu particulier est la situation de si jamais on veut faire de la toxine botulique en traitement de troisième ligne. Voilà. Après, ce qui manque là quand même, c'est un bon examen neurologique périnéal. Minimum. Si les RRF, c'est que ça, réflexe, je crois que ça veut dire RRF.
La rééducation. C'est quoi? Ah non, rééducation, pardon. Oui, l'échec, d'accord. Oui, l'examen neurologique, c'est quand même intéressant, là, parce que on ne va pas faire une IRM-PLD, une IRM de la moelle ou du cerveau à tous les patients qui ont une hyperactivité physique réfractaire. Donc, moi, il manque ces éléments-là. Oui, mais normalement. Après, sur le traitement, on en parlera peut-être après. Xavier, si ton bilan confirme qu'elle a une hyperactivité du détrusor, tu dois faire un bilan étiologique. À 53 ans, tu fais quand même une cystoscopie. Quoi. Je pense que... Ah, ben, elle est faite. Elle l'a eu, elle est normale. Elle est normale et l'hyperactivité du détrusor, de toute façon, c'est un facteur pronostique de rien. Donc, dans l'idiopathique, on n'est pas chez le neurologique. Non, mais tu es sûr du diagnostic. C'est un pronostic de rien, donc en fait, ça apporte rien. C'est ça que tu as l'hyperactivité du détrusor, tu ne mets plus en cause le diagnostic. Elle n'a pas un problème de, je sais pas, autre, d'hypersensibilité vésicale ou autre. Il faudra aussi lui faire un examen clinique à la recherche d'un prolapsus, comme elle a 53 ans, deux enfants. On n'a aucune notion clinique de l'existence d'un prolapsus qui pourrait amener un test au PCR, par exemple, plutôt que de faire une IRM pelvienne. Moi, je serais plutôt sur l'examen clinique, éventuellement test au PCR si elle a un petit prolapsus débutant. C'est pas si elle a des œstrogènes aussi, elle est ménopausée. Enfin, on suppose quand même qu'après avoir eu tous ces traitements, elle a été examinée convenablement, ou alors franchement, c'est n'importe quoi. Moi, je suis assez d'accord avec Loïc, je lui ferai quand même un bilan urodynamique parce que dans une situation multi-échec, et malgré l'excellent rapport du docteur Gamet, c'est mieux qu'une débimétrie et un résidu. Puis après, je lui ferai du Botox, probablement à 100 unités. Donc, on peut se dire qu'elle a eu un bilan urodynamique, qu'il y a une hyperactivité détrusorienne, que l'examen neurologique et neuropérinéal est strictement normal. Marianne de Sesse, peut-être une idée sur la stratégie ? Oui, moi j'aurais fait de la même manière un bilan neurodynamique de Sesse pour évaluer les pressions du détrusor, voir s'il y avait des arguments en faveur d'une étiologie ou d'une autre. Et si les résultats là, sont tels que tu les décris, j'aurais proposé le Botox à 100 unités avant la neuromodulation, c'est certain. Parce que j'ai l'impression que c'est moins invasif, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de données, et parce que ça me semble, dans l'expérience en tout cas, plus acceptable à 53 ans d'avoir une injection tous les 6 mois plutôt que d'avoir un neuromodulateur des racines sacrées. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marianne. Donc, Marianne, donc tu fais en dehors de l'AMM, hein, donc 100 unités. Oui. Enfin, 100 unités, non, pas forcément d'ailleurs. Ça, j'attendrai de voir l'importance, ça c'est une opinion personnelle, mais l'importance de l'hyperactivité du détrusor sur le bilan urodynamique. Mais en règle générale, dans l'établissement dans lequel j'exerce, on débute à 50 unités en l'absence d'hyperactivité du détrusor idiopathique marquée. Alors, ça, il n'y a aucune donnée là-dessus. Hein. Enfin, je suis désolé, pardon, je coupe, mais là on ne peut pas dire que l'hyperactivité du détrusor va et quel qu'en soit le niveau, va influencer entre 50 unités ou 100 unités. Hein. Je veux dire, là aujourd'hui, la règle, c'est une titration avec, en commençant par 50 unités. Si tu es contrôlé, tu n'as pas d'argument pour dire que tu commences à 100. Hein. Tu es obligé de commencer à 50. Dans l'expérience, à 53 ans, une femme va dans mon expérience à moi, on va plutôt choisir la neuromodulation si on lui explique correctement de quoi il s'agit, c'est-à-dire avec le risque de rétention et d'autosondage. Je suis d'accord avec toi. Comment ? Je suis d'accord avec toi, Christian. Il y a des études sur le sujet, justement, qu'on comparait le choix des patients lorsqu'on leur présentait bien les différentes alternatives. Et effectivement, le choix se porte en priorité sur la neuromodulation plus que sur la toxine. Ouais. Alors c'est parce que je trouve qu'en tout cas en expérience gynéco et avec les patients plus gynéco, c'est plutôt l'inverse. Moi, quand je propose les deux, alors peut-être parce que nous, on fait les toxines et on ne fait pas nous-mêmes finalement la neuromode et qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre. Hein, simplement, le fait de devoir changer d'équipe peut-être est un peu un frein, mais on a un peu plus des orientations vers la toxine finalement. Et plutôt, on aura 50. Hein, c'est peut-être un biais effectivement de recrutement. Peut-être que MPR et gynéco sont plus toxines que neuromodulation parce qu'on ne fait pas de même la neuromodulation. Hein. Si je peux me permettre un commentaire rapide, deux commentaires rapides. Le premier, elle n'a pas eu de neurostimulation tibiale postérieure. Ici. Je pense qu'on est... Ah, d'accord. Ok, alors autant pour moi. Donc, on oublie celui-là. Et le deuxième, mon maître Xavier Gamet,
m'a toujours appris que le libellé d'AMM du Botox spécifiait hyperactivité vésicale avec fuite. Et mon autre maître, Victor Nitti, m'a éclairement expliqué que dans les essais en barre qu'il a menés, qui ont donné l'AMM au Botox, il n'incluait pas de patientes sans incontinence. Et dans les guidelines de l'EAU, nouvelle version à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui vont sortir, j'ai insisté pour que ce soit respécifié. Il y a un seul essai randomisé, qui est l'essai britannique, dont j'ai oublié le premier auteur, European Urology 2012, qui incluait des patientes sans incontinence, mais avec hyperactivité détrusorienne prouvée, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc, en tout cas, une patiente qui a une hyperactivité vésicale sans incontinence comme cette patiente et dont on ne sait pas si elle a une hyperactivité détrusorienne. Et à ma connaissance, pas de données scientifiques de fuite qui permettent. Elle a des fuites sur le cas clinique. Oui. Elle a des fuites. Ben oui. Oui, 4. Alors, j'ai doublement mal lu. Plusieurs fois par semaine. J'ai doublement mal lu le... C'est noté quelque part. Ah oui, autant pour moi. Oh, bon, bah alors, je retire tout ce que j'ai dit. C'est super. Merci beaucoup, Botox. Moi. Botox. Vive le Botox. Je vous affiche un tableau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce tableau ? En modulation, normalement, en pratique, hein, ils ne vont pas accepter le Botox si on leur présente correctement les choses. Je ne comprends pas l'efficacité antérieure de la CIM du SPI. Stimulation S3, oui, et toxine botulique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'idée, c'est de discuter sur ce tableau. Est-ce que, par exemple, si la patiente a une efficacité antérieure de l'urostim, enfin de la neuromodulation périphérique des tibiales, est-ce que vous allez plus vous orienter vers une stimulation de neuromode ? Est-ce que c'est un critère de choix pour une option plutôt qu'une autre ? En fait, il n'y a rien de démontré. Hein. Non, et puis, si c'est efficace avec la stimulation d'une artérielle, pourquoi on va aller à la neuromodulation ? Ben oui. Une efficacité partielle avec une perte d'efficacité secondaire. Est-ce que ce sont des arguments que vous utilisez, même si on n'a pas de preuves ? Si les gens ont marre de faire de la stimulation 20 minutes par jour et veulent avoir quelque chose qui travaille pour eux tout seul. De toute façon, depuis apporter, si je puis dire un tout petit quelque chose, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études qui comparent deux groupes strictement homogènes en stimulation S3 et toxine botulique. On est obligé de se fonder sur, malheureusement, l'expérience personnelle ou alors des préconçus physiopathologiques ou étiologiques. C'est pour ça qu'on vous montrait ce tableau, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec certains de ces items. Parce qu'à un moment donné, Christian l'a bien dit, il faut se décider. La patiente, on sait très bien qu'on peut lui infliger notre choix en fonction de la présentation que l'on donne dans les différentes techniques. Si on lui dit, vous savez, la neuromodulation, tous les trois jours, je vais la régler, chaque fois que vous passerez au supermarché, ça va faire bip-bip, ça se déboîte, vous ne pourrez plus faire du sport, etc. Et si la toxine, vous dites à 50 unités, vous aurez une rétention, alors que les études Botox, ils toléraient jusqu'à 300 ml de résidus, on sait très bien qu'on peut influencer le choix. Comment vous décidez ? La continence fécale associée, oui, est un critère de choix en faveur de la neuromodulation, ça c'est clair. Le risque relatif de rétention urinaire, est-ce qu'il y a des comorbidités associées qui, voilà, c'est, en fait, pour les deux, c'est le rapport bénéfice-risque ou bénéfice-inconvénient, et puis le choix de la patiente. Puis l'IRM récurrente, ça n'a plus lieu d'être. Hein. Maintenant, les nouvelles électrodes sont IRM compatibles, de même que les boîtiers. Hein, donc, il n'y a pas. Oui. Port du pacemaker, en général, il n'y a pas de contre-indication. Bon, moi, par précaution, je demandais toujours l'avis du cardiologue, mais. Pour intensif et acrobatique, oui, si elle doit retomber tout le temps sur son boîtier, on ne peut pas lui mettre. Hein. Okay. Et puis les antécédents, notamment chirurgicaux, il y avait quand même des travaux cliniques qui disaient qu'à ce moment-là, la neuromodulation des racines sacrées apportait moins de bénéfices. Ou bien si on découvre qu'il y a une composante quand même d'incontinence urinaire à l'effort associé, on ne sera pas trop pour la neuromodulation non plus des racines sacrées. Donc, c'est l'ensemble du tableau plus que simplement, à mon sens, les critères suscités. Le Botox n'a jamais guéri l'incontinence urinaire d'effort. Hein.
Et la neuromodulation n'a pas aggravé l'incontinence d'effort non plus. Non, mais vous savez aussi bien que moi les premiers papiers où on disait que dans les critères prédictifs de moindre efficacité figuraient les antécédents de chirurgie pour l'incontinence urinaire et l'association d'une incontinence urinaire sur urgence urée à une incontinence urinaire d'effort. Eh bien, justement, dans les papiers concernant le Botox, en général, les gens qui avaient des antécédents de chirurgie et d'incontinence urinaire étaient exclus. Ouais. Ouais, puis, l'incontinence mixte, il vaut mieux commencer par traiter l'incontinence d'effort, ça c'est plus clair comme résultat. Après, en tout cas, en tout cas, Christian, on a des résultats avec la mise en place d'une molette sous-urétrale qui peut être capable, dans certaines séries, de traiter l'incontinence urinaire mixte jusque dans 70% des cas. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Exactement, oui, non, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Alors, si cette patiente, on a finalement essayé les deux traitements, que le Botox n'a pas fonctionné, que la neuromodulation non plus, on est en difficulté. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors déjà, on peut répondre à la question sur la stimulation bilatérale parce qu'on a eu la chance en France d'avoir deux PHRC qui se sont posé ces questions-là, à la fois en prise en charge primaire ou en échec secondaire, et qui ont montré que faire la stimulation bilatérale ne changeait pas la donne. Donc déjà, on peut éliminer cette question. Aujourd'hui, on sait que ça ne marche pas. Après, le changement de côté de stimulation, ça, c'est tout à fait possible dans le cadre de l'AMM. Par contre, dans le cadre de l'EBM, là, il n'y a que dalle. Voilà. Il y avait Philippe qui avait fait un PHRC en cas d'échec et il changeait de côté, non ? Justement, il est négatif. Il y a comment il s'appelle ? Jean-Nicolas Cornu qui l'a présenté au CFU virtuel la semaine dernière et le résultat est négatif. Donc on a de l'EBM. Oui. Donc on a de l'EBM pour ce point-là. Oui, tout à fait, pardon. Oui, tout à fait. Donc augmenter les doses, moi j'augmente dans ces cas-là, j'augmente les doses, moi. Moi, je suis assez d'accord parce que même pour les gens qui sont très gênés par leur incontinence urinaire, même si ils doivent passer à l'autosondage, eh bien, ils sont nettement mieux sous autosondage qu'avec leur fuite. Je fais pareil. Ça, on a des très belles études qualité de vie qui ont été publiées par Thomas Kessler qui montrent que les patients, après l'augmentation de l'urine, ils faisaient 200 unités chez les non-neuros. Et il montrait que celles qui avaient besoin de recours à l'autosondage, celles qui n'avaient pas besoin de recours à l'autosondage, en fait, l'amélioration de la qualité de vie était identique dans les deux groupes, du fait de l'effet de pureur de fuite, du fait de la toxine. Donc, tout à fait, ça pose aucun. Enfin, en fait, même si conceptuellement, on peut avoir le sentiment que ça peut être un problème, en réalité, ce n'est pas un problème. L'absence de fuite les améliore tellement que l'autosondage, ce n'est pas un souci. Tout à fait d'accord. Et après, si ça persiste malgré l'augmentation des doses, on peut proposer une entérocystoplastie où là, l'autosondage sera souvent nécessaire. Ça fonctionne très bien aussi. C'est quand même une patiente qui est très gênée et je pense qu'en augmentant les doses de Botox, on risque d'avoir un résultat, même si elle doit se sonder. Elle est sportive, je ne sais pas, je pense qu'il faut rester là-dessus. Elle acceptera plus facilement le sondage intermittent et la qualité de vie. Et dans ce cas-là, vous allez jusqu'à quelle dose de toxine ? Vous allez jusqu'à 300. Moi, je ne dépasse pas 200, jamais. Il m'arrive d'aller jusqu'à 400, mais si on a l'impression que ça va fonctionner. Quoi. Moi, je ne partage pas, Christian, ton avis sur l'entérocystoplastie. Hein. Quand on regarde quand même sa situation clinique, je ne l'ai plus complètement en tête. Enfin, là, on est franchement quand même dans une situation où on peut probablement essayer de faire autrement. Hein. Il n'y a pas de retention sur l'autre appareil. Apparemment, elle n'a pas de trouble de compliance de la vessie. Enfin, c'est quand même un peu excessif dans ce cas, je trouve. Mais alors, pourquoi tu penses qu'elle ne marche pas, alors, la toxine ? C'est surprenant. Si pour moi, si elle ne marche pas, c'est qu'elle a une hyperactivité du détrusor qui résiste. Quoi. Non, ce que je parle, c'est de sa situation clinique et de la décision d'un geste aussi lourd, avec des conséquences aussi importantes. Si elle ne se plaint pas de la situation clinique, je n'irai pas lui faire une entérocystoplastie, évidemment. Hein. J'entends bien. Enfin, là, on parlait d'une patiente qui était gênée par ses fuites, enfin, il me semble, non ? Oui, effectivement, elle était gênée. Ok. D'accord, on passe au cas clinique suivant ? Oui.
Alors, un autre cas clinique, c'est une patiente qui a 70 ans, qui a une sclérose en plaque forme secondairement progressive en EDSS 8, donc majorité au lit, qui a une dégradation qui est progressive depuis 2 ans, et puis récemment est apparu un syndrome cérébelleux, notamment au membre supérieur, avec, si on fait un point sur le plan général, elle rapporte quand même quelques fausses routes. Elle a d'ailleurs eu une hospitalisation il y a 5 mois pour une pneumopathie d'inhalation. Elle n'a pas d'escar, elle est obèse. Et puis, sur le plan neuro-urologique, elle a une neurovessie hyperactive, dyssynergique, pour laquelle elle était sous autosondage et toxine à 200 unités, avec une bonne efficacité clinique et urodynamique, sans complications uronéphrologiques. Les transferts étaient faits par le mari pour les selles sur les WC et elle arrivait à se sonder lorsqu'elle était au fauteuil ou au lit. Et puis, plus récemment, elle a du coup ce syndrome cérébelleux et elle ne peut plus faire les autosondages. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous revoyez la technique des autosondages? Est-ce qu'on refait un apprentissage? Est-ce qu'on demande au mari, qui était déjà l'aidant principal, de faire des hétérosondages? Est-ce qu'on évalue d'emblée les autosondages par une cystostomie continente? Est-ce qu'on va directement sur une thérapeutique plus définitive comme un Bricker, comme une entérocystoplastie associée à une cystostomie continente? Qu'est-ce que vous en pensez? Cystostomie Bricker, tant qu'il est encore temps. Oui, moi je pense qu'il faut d'abord quand même revoir la technique des autosondages, voir s'il y a des facteurs qu'on peut améliorer, parce qu'outre le syndrome cérébelleux, elle a peut-être une spasticité qui gêne aussi l'accès aux autosondages. Avant de passer à quelque chose de plus lourd, je réévaluerai la technique des autosondages et plus exactement, j'essaierai de préciser les raisons qui ont rendu les autosondages difficiles. Et ensuite, sur le plan, et donc chercher une cause locale et après, en fonction de l'environnement, de son degré d'autonomie, de son choix, s'il y a une possibilité pour une cystostomie continente, je la lui proposerai certainement en alternative à un Bricker. De toute façon, ça ferait l'objet d'une consultation pluridisciplinaire avec un collègue urologue. Mais je crois que le fait d'avoir 70 ans et un EDSS à 8 est, à mon sens, et c'est controversé, pas forcément un critère pour interdire, ou en tout cas ne pas poser l'indication d'une cystostomie continente. Alors, je ne partage pas ton avis, Marianne, parce que le problème, c'est que la cystostomie continente est un geste déjà très lourd et que par expérience, toutes les CEP à qui j'ai fait une cystostomie continente ont tous été transformés à plus ou moins long terme en Bricker. Oui, mais si ça leur a permis 4 à 5 ans de qualité. Eh ben, je suis heureux, Loïc, de t'entendre, parce qu'on a eu plusieurs fois la discussion et moi j'ai toujours été beaucoup plus pro-Bricker que pro-cystostomie continente. Mais derrière, sauf que tu as les continentes dans une sclérose en plaque, et à chaque fois tu me vantais le fait de faire la dérivation que tu as les continentes avec de la toxine sans agrandissement de vessie, en disant que c'était un geste assez simple et que ça posait pas trop de problèmes dans des dérivations. Je vois que tu reviens sur cette idée-là, et voilà. Et moi, je pense typiquement chez une femme de 70 ans à l'EDSS à 8 avec une forme secondairement progressive, ça me cérébelleux, donc il ne peut pas se sonder elle-même. Alors, bien sûr, on va la réévaluer, je suis d'accord avec toi, Marianne, mais ça, bon, on sent que ça ne marchera pas. Il y a la problématique de l'aidant qui doit avoir le même âge, s'il n'est pas un peu plus vieux, qui va se fatiguer également. Je pense qu'une bonne dérivation cutanée non continente, maintenant qu'on peut la faire, parce qu'elle est a priori pas trop mal encore sur l'état général, ça va non seulement l'aider à améliorer sa qualité de vie, éviter les complications, et ça aidera aussi les dents, et pour l'ensemble du couple, ça ira beaucoup mieux. Alors, on est trois avec Xavier et Loïc, donc là on emporte le morceau, non? À moins que Jean-François raconte. Non, moi je suis complètement d'accord avec vous, et puis il y a un élément que vous n'avez pas oublié, parce que oublier derrière, c'est derrière les photos, là c'est l'obésité. Franchement, on n'a vraiment pas envie d'aller nous faire une continente, là on va rentrer dans les emmerdes. Oui. Ce n'est vraiment pas pour t'achever, Marianne, bien du tout. T'en doutes, mais je citerai ici le magnifique travail dont on attend avec impatience la publication de Xavier Biardot avec l'aide du GNUV, du comité neuro-urologie, cette étude CystoCEP nationale où il a recueilli plus de 50 cystostomies continentes chez la CEP. Et contrairement à ce que tu as dit, Marianne, le seul facteur prédictif de conversion en un autre mode de dérivation était un EDSS supérieur à 7.
Donc, a priori, dans cette expérience française multicentrique, le fait d'avoir un EDSS élevé, ça sent pas bon sur les résultats à 5 ans. Et puis, je vais vous donner un dernier argument, c'est ma patiente, elle aura un briqueur. Et si je peux me permettre juste un autre commentaire, je lui offrirai quand même la possibilité d'une cystostomie suspubienne, oui. Malgré tout. Oui. Je sais que je vais être hué par tout le monde, mais je pense qu'on se doit de pouvoir discuter cette possibilité avec elle, en bien sûr insistant sur tous les problèmes que ça peut engendrer. Mais il me semble alors j'espère qu'on aura des niveaux de preuves plus élevés pour ne plus avoir à se poser la question. Mais en tout cas, en l'état actuel de la littérature, on est pionnier, on est la France, on fait des briquaires à toutes les CEP et on a sans doute raison. Grâce à Xavier Gamet, on a des données de qualité de vie et je le remercie tous les jours. Mais on est un peu seul dans cette attitude par rapport à ces patients de sclérose en plaques. Ils ont beaucoup de cystostomies suspubiennes ailleurs. C'est clairement pas parfait, mais à mon avis, c'est mieux. Oui, mais chez l'OB, ça fait une zone assez vaste, quoi. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'une sonde suspubienne avec du botox régulier dans la vessie permettrait à cette femme de 70 ans qui est obèse d'avoir une vie tranquille. On ne peut pas compter sur les dents. Et c'est un geste, bien sûr, qui est tout à fait réversible. Donc, en première intention, je ferai ça. Le dernier point. Je voudrais rappeler quand même qu'elle avait des fausses routes, cette patiente, qu'elle s'est aggravée de manière rapide et qu'elle a fait une pneumopathie. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui vous rebute un peu, les chirurgiens, pour aller faire une chirurgie qui est quand même lourde? En général, ce n'est pas le chirurgien qui est rebuté, c'est plutôt l'anesthésiste qui ne veut pas l'endormir. Le risque chirurgical, effectivement, à mon avis, est non nul. Et quand j'ai eu la chance d'assister à quelques consultations d'Emmanuel Chartier-Kessler, il posait toujours cette question aux patients sclérose en plaques avant de leur proposer un briquet. Avez-vous fait des pneumopathies? Il me disait que pour lui, dans son expérience qui est grande, c'est le pire facteur prédictif de grosses complications chez ces patients-là. Je suis d'accord, Gilbert Robin. Oui, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir une prise en charge très pluridisciplinaire avec notamment les prises en charge post-opératoires dans les services de rééducation pour ces patients-là. Ok. On passe au dernier cas clinique, si vous souhaitez. Mmh. Alors, donc c'est un patient qui a 64 ans, qui a une sclérose en plaques qui évolue depuis 20 ans, qui est en EDSS 5. Il vient pour des infections urinaires à répétition, symptomatiques bien sûr, une fois tous les deux mois, depuis un an, et dont ces infections, il y en a quand même deux par an qui sont fébriles. Il a une hyperactivité vésicale qui est sous-tendue par une hyperactivité détrusorienne. Il est traité par autosondage dans le cadre d'une dyssynergie avec rétention et par Vésicar. Et puis, au dernier bilan urodynamique qui date d'il y a, disons, un an, le bilan urodynamique sous vésicardie, c'était stable. En dehors de ces infections, il ne rapporte pas de syndrome clinique d'hyperactivité vésicale. Comment est-ce que vous allez avancer dans le bilan de ces infections urinaires sous autosondage? C'est un homme, je pense qu'il faut faire le bilan de sa prostate. Et puis après, on peut discuter. Alors, soit on lui propose une antibioprophylaxie cyclique pour voir, et puis si vraiment il a une obstruction prostatique associée, moi je pense qu'il faut lui faire un traitement de l'adénome s'il en a, hein, je sais pas, enfin, ou s'il a une obstruction, s'il a une hypertonie du col, ou enfin, c'est souvent un facteur de risque d'infection chez l'homme. Je pense qu'il faut faire le bilan de l'ensemble de l'appareil urinaire à la recherche déjà de calculs, donc déjà le scanner me paraît indispensable. Pas de dilatation, etc. Ensuite, bon, bilan aérodynamique, manifestement, le réservoir est bien contrôlé, donc ça, c'est très bien. Il faut aussi revoir la technique, hein, les autosondages. Hein, je veux dire, est-ce qu'ils n'utilisent pas le Dakin, hein, ou ils ne se lavent pas à chaque fois qu'avant le met avant de se sonder enfin, voilà, ça, je pense que ça, c'est également indispensable. Voilà, enfin, moi, je pense qu'avant d'envisager tout traitement, quel qu'il soit, il faut d'abord être sûr que toutes les bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de facteur de risque de complications infectieuses, donc les calculs, etc., une vessie bien contrôlée, que les techniques soient bonnes, et puis seulement après, on peut discuter à ce moment-là des traitements qui peuvent être. Il y a l'apport hydrique également, bien sûr, à l'ajout 5.
entre 1,5 litre et demi et 2 litres par 24 heures de diurèse, enfin, pour le catalogue missionnel, etc. Et puis après, on peut discuter. Il y a la Kirkenberg aussi qui a été évoquée. Il y a la Demanos pour lesquelles il y a quelques publications. Et puis après, en dernier lieu, le cycline antibiotique. Xavier, tu ne lui fais pas de fibroscopie ? Ouais, si, la fibroscopie, bien sûr, bien sûr. Je n'avais pas entendu. Je vais le dire. Non, 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 tu as raison, tu as tout à fait raison. Ça fait pas une bilan systématique. J'ai oublié, cela m'a échappé. Mais effectivement, il ne faut pas oublier la fibroscopie parce que l'un des modes de révélation, le deuxième mode le plus fréquent de révélation du cancer de vessie chez le patient neurologique, c'est l'infection urinaire récidivante, surtout une infection urinaire qui apparaît sur une vessie qui était jusqu'alors bien contrôlée. Merci Jean-François. Merci. Ok, donc effectivement, on a fait la cystoscopie qui était, on a vérifié la technique des autosondages, il les effectue bien, il n'y a pas de résidus post-autosondage, on a refait le bilan urodynamique pour vérifier qu'on n'avait pas des hautes pressions qui étaient arrivées, on a cherché une nitiase, qu'elle soit vésicale rénale, on a regardé la prostate, pas d'hypertrophie prostatique, on est même allé jusqu'à l'IRM pour rechercher un abcès qu'on n'a pas retrouvé. Et puis, lors de la cystoscopie, effectivement, il y avait une vessie de lutte. Et puis, on est allé à l'UCRM. Est-ce que vous pensez que c'était une... Est-ce que vous seriez allé jusqu'à l'ICRM chez ce patient si l'ensemble de ces voyants qu'on a déjà détaillés étaient ouverts ? Moi, je ne pensais pas une mauvaise idée parce que ce sont des infections qui sont hautes. Et donc, si on voit un reflux, je dirais que c'est plutôt un argument pour dire que sa vessie, elle reste quand même à haute pression. C'est pas parce que au moment des bilans urodynamiques, on a une situation à peu près équilibrée que de temps en temps, il ne peut pas avoir quand même un régime à haute pression, ce d'autant qu'il a quand même sur la cystoscopie un aspect de vessie de lutte. Et puis, simplement pour compléter les propos précédents, il y a une chose que je n'ai pas entendue, c'est le calendrier missionnel avec les volumes. Parce qu'un des arguments aussi pour faire des infections urinaires à répétition, c'est que de temps en temps, il peut se sonder avec des vessies trop remplies, avec des capacités qui dépassent les 500 millilitres, ce qui est un facteur de risque d'infection urinaire. Moi, personnellement, j'aurais commencé par une ICRM pour éliminer un éventuel... Moi, je dis que vous n'avez pas eu tort de faire l'UCRM car je sens le vice dans ta formulation, Camille, et tu vas nous montrer une photo du CRM bizarre avec un truc très bizarre. Je le sens venir. Benoît, tu me connais bien. Effectivement, donc, bien entendu, le catalogue missionnel était absolument nécessaire et j'aurais dû le mettre. Et donc, ce patient a des volumes inférieurs à 400 ml lorsqu'il se sonde et une duresse qui est correcte. On est allé jusqu'à l'UCRM et voici ce qu'on a retrouvé. Il y a des diverticules. Puis il y en a un qui ne se vide pas bien. Tout à fait. Donc, on a effectivement une vessie de lutte, un vrai diverticule qui ne se vide pas bien. Est-ce que... Pour vous, est-ce qu'il peut être la cause de ces infections urinaires ? Comment est-ce que vous le gérez ? Il est la conséquence aussi peut-être d'un régime à haute pression de sa vessie. Hein. On a tout éliminé. Pas si gros que ça. Hein. On a tout éliminé, les troubles anorectaux. Oui, il n'est pas gros, Loïc, mais regarde, tu as vu ce qui reste en post-autosondage quand même. Il y a pas mal de quantités qui demandent qu'à s'infecter. Donc, est-ce que, comme dit Camille, est-ce que c'est vraiment le facteur de ces infections ? Parce que je rappelle quand même qu'il y en a deux parents qui sont fébriles quand même. Et deuxièmement, vous, les chirurgiens, est-ce que vous prenez le risque ou vous prenez l'option de faire une résection de ce diverticule pour voir si ça l'améliore ? Il n'est quand même pas vieux, hein, 64 ans, EDSS 5, c'est quand même pas mal. Il a quand même donné pas mal, on lui a fait plein de trucs. Il s'infecte, des antibiotiques à répétition, alors qu'une chirurgie... Alors, je ne sais pas, moi, si c'est difficile ou pas facile à faire une diverticulectomie. Hein, donc, c'est vous qui pouvez le dire. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Là, vous êtes quatre chirurgiens urologues bien compétents en neuro-urologie. Je ne suis d'ailleurs même pas sûr que vous soyez d'accord entre vous. Alors, juste pour répondre d'abord. Il a une hypertonie du col. Hein. Moi, j'aurais fait une incision cervico-prostatique depuis longtemps. Hein. Oui, mais il a l'autosondage, donc on n'a pas besoin. Et ça ne réglera pas le problème de la non-vidange des diverticules. Oui, d'accord. Alors, moi d'abord, juste, je reviens par rapport à l'UCRM. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé de scanner, donc avec injection dans ces cas-là, et donc les diverticules, je les aurais vus sur mon scanner. Mais je retiens l'argument de Loïc concernant les hautes pressions pour faire du CRM. Et voilà. Donc voilà.
Ça, c'était pour l'allégote. Ensuite, pour le, oui, concernant le traitement, ben moi, à une situation comme celle-là, je lui propose une incision, une résection du col, du collet du diverticule. On peut faire un traitement endoscopique, en réalité, de ces diverticules, ce qui va m'aider à élargir et permettre une meilleure vidange, une vidange complète des diverticules. Donc, moi, c'est ce que je fais en première intention. Je sais que la littérature donne des résultats qui sont inconstants, je dirais, avec ce type de traitement. Mais ça peut se tenter. L'avantage, c'est que c'est quand même peu agressif et plus facile à faire qu'une chirurgie de diverticulectomie de première intention. Après, si jamais c'est inefficace, effectivement, on va discuter la diverticulectomie, intervention qu'on discutera aussi en multidisciplinaire et en RCP. Mais voilà, maintenant, c'est vrai. Alors, je suis sûr que Loïc va nous dire qu'avec le robot, c'est quand même plus facile, c'est moins agressif et qu'on Benoît dirait peut-être la même chose et qu'à ce moment-là, on peut facilement enlever ce type de diverticule. Alors moi, je n'ai pas du tout l'avis de votre avis. Je ne vois pas l'intérêt de faire une incision du col. Il y a l'autosondage, qu'est-ce que vous allez en tirer? Pas grand-chose. Sur les diverticules, bon, ils ne sont quand même pas majeurs, hein, les deux petits diverticules. On ne va pas faire de la chirurgie d'exérèse de diverticules. Et puis, ce qu'on pourrait discuter éventuellement, c'est une incision du collet et une coagulation de la muqueuse pour les voir se rétracter, mais je n'irai pas au-delà. Oui, c'est ce que je disais. Je n'ai pas fait l'incision de col, une coagulation du collet, oui, on est d'accord. Non, mais tu vois, à l'autosondage, il ne se vide pas bien. S'il ne se vide pas bien, c'est qu'il a un lèvre postérieur du col qui monte, probablement, et il doit mal vider sa vessie. Moi, je ferai l'incision cervico-prostatique et l'incision du collet. Ça se fait très bien en même temps. Dans le même temps, tu fais ça et tu vois si ça l'améliore. Et ça ne l'aggravera pas. Hein. Je ne comprends pas ton indication d'incision du col. Mais permettre aux autosondages de vider complètement la vessie, si tu veux. Il n'y a pas de raison. Si la sonde va dans la vessie, ce n'est pas le fait que le col soit serré qui fait que ça va moins vider. Quand le col est serré, la lèvre postérieure monte. Donc, la sonde va vers l'avant. Et tu laisses un résidu derrière. Mais il ne la vide pas, là, visiblement, avec l'autosondage. Il la vide. Oh, c'est les images du CRM faites par des radiologues qui ne sont pas. Je pense qu'il faut regarder le résidu en échographie et dans des conditions réelles, parce que ça, j'y crois moyennement sur les UCRM. Ok, bon, bah, c'est peut-être la fin des cas cliniques. On va passer à la session suivante. Je vous remercie tous pour votre participation active. Et puis, je m'excuse pour ces cas cliniques qui étaient parfois un peu pièges, avec des pièges. Très intéressant. On n'en attendait pas moins.